Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Anasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Démonstration de la synthèse des faits de formation en gestion démocratique de foule sans violence organisée par le ministère de la Sécurité publique en partenariat avec l'Union européenne. C'est le 17 novembre 2021 à la direction de la logistique de la garde nationale et nomade du Tchad, Généti, à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de la capitale. C'était en présence du directeur général de la sécurité intérieure et de l'immigration, représentant son ministre. Donatien Rakindang nous fait le point. C'est à travers le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure du Tchad que plus de 400 officiers et gendarmes ont suivi cette formation en gestion démocratique de la foule sans violence organisée en partenariat entre les deux pays. Cette formation est basée sur différents modules dont les violences basées sur le genre, le contrôle des véhicules et autres. Après le mot de bienvenue du chef d'état-major des gardes nationales et nomades du Tchad, remerciant la présence de tous à la cérémonie de fin de formation, le coordonnateur du projet PASIC entend projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure du Tchad, dit que cette formation est le fruit d'une collaboration entre le Tchad et l'Union européenne. De ce fait, la gestion des foules est une mission difficile et délicate. Et que cette formation vient à point nommé car la gestion des foules est une mission difficile et délicate. Le spectre des activités du PASIC est large. De l'appui à la bonne gouvernance, au renforcement des capacités des éléments de force sécurité intérieure jusqu'au rapprochement de la population avec nos forces. Le chemin est long, mais une grande partie a déjà été consommée. Je suis personnellement conscient de l'importance de l'exercice qui vous sera proposé et qui s'inscrit dans le cadre de l'appui au renforcement des capacités des unités de force sécurité intérieure en charge de la gestion démocratique des foules. La gestion démocratique des foules est une mission difficile et délicate, quasiment la seule qui puisse mettre en péril les institutions. Le directeur général du ministère de la Sécurité publique, Adel Moumi, représentant le ministre de l'Intérieur, a dans son mot déclaré que cette démonstration s'inscrit concrètement dans cette volonté de rapprochement des forces de sécurité de l'intérieur avec la population. De ce fait, la gestion des foules est le véritable garant de la démocratie et que toutes les manifestations doivent répondre de la réglementation et de la législation de notre pays. Car les débordements, s'il y en a, doivent être traités avec déontologie et professionnalisme dans le respect des droits humains élémentaires. Notons que quelques démonstrations des cas de manifestation ont agrémenté la cérémonie. Toujours dans le même cadre, le directeur général du ministère de la Sécurité et de l'Immigration, représentant le ministre du tutelle, a salué l'initiative de l'Union européenne qui a abouti à la fin des formations qui est un facteur important dans le domaine des sécurités. Suivez, il est au micro de notre reporter Donatien Rakindang. Une présentation d'une activité qui se termine et qui marque pas important et j'espère bien un déclic en matière de professionnalisation et de formation de nos forces de sécurité intérieure en charge de la gestion des foules, autrement dit, le maintien de l'ordre, est un facteur important dans la réussite des missions assignées aux forces de sécurité intérieure. En s'attelant à doter les forces de sécurité intérieure d'un levier de performance majeure de PASIC, nous donne ici le gage d'un réel espoir de croire les améliorations des liens entre les forces de sécurité intérieure et la population. But ultime de ces activités sera atteint. Restons toujours dans le même volet, cette fois-ci, c'est le coordinateur du projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure au Tchad, Papsi Abdoulaye Moyalta, Georges, explique l'objectif et les missions du projet. Suivez, il est au micro de notre reporter, Tchikabe Clémence. C'est le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad. Pourquoi on parle d'amélioration? Parce qu'il y avait eu déjà un projet chargé de la réforme des forces de sécurité intérieure au Tchad, qui a fait ses 5 ans, il est parti. Maintenant, celui-là est né sous la cendre de l'autre projet qui est Papsi. Et maintenant, on l'appelle
PASIT parce qu'il vient pour améliorer ce que PAPSIT a fait. Voilà. Donc ici, nous avons trois composantes qui constituent le PASIT. Il y a ce qu'on appelle l'amélioration de la bonne gouvernance, c'est-à-dire les forces de sécurité intérieure doivent être dotées de textes juridiques qui leur permettront d'évoluer sur le terrain sans difficulté avec le peuple. Donc ça, il faut améliorer d'abord les textes qui existaient, il faut les améliorer pour les rendre opérationnels et couvrir aussi les missions des forces de sécurité intérieure. Ça c'est un. Une fois doté de ces textes, il faut maintenant les former ou les recycler. C'est-à-dire, et là maintenant on parle des outils de formation des forces de sécurité intérieure, donc à commencer par les écoles. On est en train de construire, on a déjà construit dans le PAPSI une école nationale de police. Maintenant, le marché vient d'être attribué pour la construction d'une école nationale de la gendarmerie nationale. Et on est en train de construire la coordination des centres communs de forces de sécurité intérieure, toujours dans le domaine de formation. On a construit aussi un centre miariste à Djeddah. Bref, tout ça, c'est dans le cadre d'amélioration des outils de formation de forces de sécurité intérieure. Le troisième point qui constitue le PASIT, c'est le rapprochement entre les forces de sécurité intérieure et la population. Rendons-nous cette fois-ci à l'hôtel Radisson Blu où la compagnie téléphonie mobile Move Africa a organisé une conférence de presse ce jeudi 18 novembre 2021. L'objectif de cette conférence de presse est d'améliorer la qualité des réseaux. Suivez les explications du directeur général de la dite institution, Mohamed Dikissi, au micro de notre reporter Tigabé Clémence. Qui fait ce service-là? Donc, aujourd'hui, la disponibilité des portables est une nécessité. Les portables, je parle des smartphones, notamment parce qu'ils sont liés à la data. Et donc, pour ce faire, je pense que le prix, en fait, les taxes douanières sur le portable doit diminuer ou carrément être supprimé pour permettre d'offrir aujourd'hui un outil pour un fournisseur de l'édition de portable, nous sommes plus un fournisseur de services média, nous faisons ce volet-là. Donc, je pense que l'outil essentiel qui est l'équipement soit disponible à un prix abordable chez les clients. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. Communiqué de presse émanant de la compagnie téléphonie mobile Move Africa du 18 novembre 2021. Move Africa, un opérateur de télécommunications fiable du groupe Maroc Telecom, a annoncé ce jour à la presse nationale et internationale avoir procédé à l'amélioration de son réseau par le renforcement des sites. En effet, Move Africa, soucié de fournir à tout le peuple tchadien un service de qualité, a procédé à des investissements conséquents qui ont permis de porter le nombre de sites techniques pliés des réseaux de 659 en 2020 à 720 à la fin 2021, soit un ajout de 61 sites. Ces investissements ont permis de créer des emplois permanents et temporaires. La capitale Djamena en elle seule bénéficie de 115 sites techniques, tous disponibles entièrement en 4G, offrant des possibilités élargies d'une connexion mobile de qualité supérieure. Ainsi, 21 de 23 chefs-lieux des régions sont en entièreté en 4G.
Régissant à l'annonce, le directeur général de Move Africa Tchad, Mohamed Dikisi, a déclaré à la presse Move Africa Tchad et le groupe Maroc Telecom continuent leur engagement au Tchad afin de fournir et maintenir la meilleure qualité réseau aux populations, aussi soutenir l'économie à travers les investissements qui améliorent la connectivité du pays dans un monde où l'économie numérique devient centrale à toute activité. Move Africa a aussi présenté les différentes actions menées en faveur de la communication et qui témoignent de la volonté de l'entreprise de rester le premier acteur sociétal. Le don de matériel pour l'assainissement de la ville de N'Djamena, le soutien au mois d'octobre rose pour la sensibilisation sur le cancer du sein et l'accompagnement des compétitions sportives sont quelques-unes des initiatives que Move Africa a portées ou soutenues et qui ont été présentées aux journalistes présents. Mohamed Dixi a ajouté que Move Africa Tchad est connu pour ses actions de solidarité au Tchad et nous souhaitons continuer d'incarner pour toute entreprise qui place sa responsabilité sociétale au cœur de ses actions. Nous prévoyons d'intensifier ces actions en 2021 afin d'accompagner les efforts des autorités pour l'amélioration de la vie des Tchadiens. Le communiqué est signé du directeur général de Move Africa Tchad, Mohamed Dixi. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision Anna sur 24.